Et voilà, nous sommes dans le patio de la mosquée. Le patio de la mosquée. Il y a des choses qui ont changé, comme ça par exemple. Je n'aime pas voir ça ici, c'est du grand n'importe quoi. Bon, se rafraîchir, oui, mais enfin, no comment. Ils ont mis ici pour regarder, comme à altitude 100 chez nous, à Bruxelles. Et ici, où que j'aille, je retrouve les palais des Nasrins. C'est ça, c'est pas un signe, hein. Je sais pas. Donc, je filme d'abord ici. C'est gentil pour tout. Voilà, nous étions donc par là, dans le patio de la mosquée. Là, je suis à l'intérieur de la mosquée. Malheureusement, l'architecte d'intérieur, Sidi Karim, est décédé, Allah yarhamou, puisse Dieu avoir son âme en paix. Ça m'a fait quelque chose, c'est normal. J'ai beaucoup parlé avec un frère, un papa de cœur plutôt, un musulman espagnol de Madrid, qui est ici. Donc voilà, je me suis ravitaillée en eau fraîche, ici. Et c'est Sidi Karim qui a fait toute cette décoration à l'intérieur. Je me suis ravitaillée, donc j'ai rempli ma bouteille d'eau fraîche. Je vais vous montrer, ensuite je vais descendre, faire mes ablutions, me rafraîchir, faire la prière. Grande ouverture d'esprit, il y avait des gens, il y avait des instagrammeuses ici qui faisaient des photos osées dans le patio, ils les laissent faire. Ça n'aurait pas été le cas ailleurs, hein. No comment. Voilà, ici. Islam et la civilisation. Islam and civilization. Donc l'islam et la civilisation. Ici, the five pillars of Islam. Donc les qawaid de l'islam. Donc les cinq piliers de l'islam. Donc shahada, salah, zakah, saum, ramadan, hajj fi bayt Allah al-haram. Et là, what is Islam? Qu'est-ce l'islam? Allah, là, vous êtes au milieu. Voilà, je vais vous montrer en face. Voilà ce que ça donne. En haut, là, c'est écrit. En haut, là, là. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'ai ma bouteille d'eau, mais je vais quand même zoomer. Vous voyez? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je tremble, je suis fatiguée. Mais je vais faire mes ablutions et la prière, je vais me sentir beaucoup mieux. Voilà. Dommage, Sidi Karim, donc l'architecte d'intérieur, est décédé. C'est lui qui a fait toute cette décoration interne, mashallah. Dès que je finis de vous montrer, je fais mes ablutions et la prière. Et ensuite, je vais continuer à discuter avec monsieur qui vient tout droit de Madrid. Masha'Allah. Voilà. Ça, c'est l'intérieur, le minaret. La partie pour les hommes et la partie là est pour les femmes. Voilà,
Je vais retirer mes chaussures. Chaussettes spéciales pour la marche. Voilà, je prends ma bouteille d'eau et bismillah. Alors, donc c'est l'air donc de prière et de bodo pour les femmes. Voilà, ici. Tabriat, je vais faire un don, inchallah. Vendredi, je passerai pour parler avec monsieur Mohamed. Là, je vais aller manger, je rentre à l'hôtel, je me lave, je prie, je me repose, je parle avec mon mari. Et demain, je me réveille, je me lave, ablution, prière. Et ensuite, voilà. Mohamed, his life wasn't under Mr. Source. No Quran, no form of man. MashaAllah.
le premier calife de l'islam. Sahih Bukhari ou Muslim, Quran Karim. Wata. Safar. Saint Passus. Kanisma de l'île. Le passou de la mosquée de nuit, machallah. Donc le centre-ville de Grenade, forcément. Inch'Allah, j'ai rendez-vous vendredi. J'espère qu'il y aura l'architecte que j'ai connu qui a construit cette mosquée. En tout cas, l'architecte d'intérieur est décédé, de la Rahman. Je discuterai avec le bonhomme que j'ai rencontré là tantôt. Il m'a laissé filmer à l'intérieur. J'ai pu faire mes ablutions, ma prière, j'ai pu me rafraîchir, ça m'a fait du bien. J'ai pu me ravitailler en eau fraîche. Donc toute cette partie-ci, là, tantôt, je ne l'ai pas faite. Ça, c'est Qasr al-Nasrid, les palais des Nasrides. Cette partie-ci, je ne l'ai pas faite. Et de toute façon, je n'ai même pas fini tout ce que je devais faire. Tout ce dont j'ai payé, ce pourquoi j'ai payé via Internet. J'ai juste eu le temps de faire le généralif et le palace des généralifs. Mais bon, alhamdoulilah, ça fait depuis 20 ans que je viens ici et chaque année je suis de passage. Voilà. À l'intérieur, les hommes là font la lecture du Saint-Coran et font des invocations, mashallah. Voilà. J'ai rendez-vous vendredi. Bien sûr, des taxis. Puisqu'il y a beaucoup de touristes, dont des touristes musulmans, eh bien, les taxis sont là. Voilà. Comme quoi, les musulmans, l'islam, ça fait vivre. Hein? À part tout ce qu'on vous raconte à la télévision, vers les médias, etc. Et oui, l'islam fait vivre. Fait vivre, fait battre votre cœur, fait vivre. Fait travailler votre cerveau. Et fait vivre dans tous les sens du terme. Vous fait vivre vous-même et fait vivre votre entourage et fait vivre entourage proche et lointain. Donc, il est primordial de rester sur le droit chemin, en tout cas de rester monothéiste. Salam alaikum. Muchas gracias. Si chacun fait sa vie, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est bien. Voilà. C'est vraiment la kumdine ou comme on lui a dit, à vous, votre religion, à moi, la mienne. Et chacun tire son plan. Personne n'est là pour critiquer. Tu veux boire de l'alcool, tu bois. Tu veux aller prier, tu pries. Fais ce que tu veux. Vive ta vie.
dans le respect, la joie et la bonne humeur. C'est multiculturel, c'est devenu très éclectique, de plus en plus. Et c'est ce que j'aime. Inch'Allah. Voilà. Vous voyez là, c'est encore le palais de Nasrid. J'ai fait du chemin, hein. J'ai marché hein, avant d'arriver ici. Vous voyez les rues là, hop, c'est bondé de monde. Ah oui, j'avais mangé là. Ah, je pensais que c'était Taj Mahal. C'est Taj, le Taj Halal. Pas Taj Mahal, le Taj... Ok. Ici, Shawarma King, El Generalif. Je ne sais pas s'ils font du poisson, je vais voir. Couscous végétal. Ah d'accord. Oh, pourquoi pas une paella. Pourquoi pas une paella. Ouais. Je vais voir. Voilà. Salam alaikum. Halal هنا يا؟ Halal هنا يا؟ Ma commande. Voilà les amis. Alors j'ai passé une merveilleuse soirée. J'ai rencontré un espagnol converti à l'islam à la mosquée après la visite de l'Alhambra. J'ai été me rafraîchir, faire mes ablutions, la prière. Et j'ai descendu à pied avec une Coréenne que j'ai rencontrée. Ensuite, nous avons rencontré... on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est que cette langue ? Je lui ai répondu que c'était du marocain. Et nous avons discuté avec... c'était une rue étroite, comme si nous étions en fesse. J'ai rencontré que des gens magnifiques. Nous avons parlé que de sujets intéressants, des sujets vraiment profonds, spirituels. Et là, mon très cher ami, que je considère comme un papa de cœur, Monsieur Mohamed, alias Garcia, José Garcia, qui était de Madrid et maintenant il habite ici à Granada. Nous étions ensemble ici à l'extérieur en train de manger. Et puis, moi j'ai pris un verre de thé ici chez nos frères algériens. Je suis finalement tombée sur un restaurant algérien. Et bien sûr, pour terminer en beauté, quoi de mieux que Bradjelatel. Alors, santé les amis. Ici, c'est ma place. Mon sac à dos, ma veste, mon petit sac et mon Bradjelatel. Alors, ici, à l'extérieur, ils ont tout pris, hein, c'est bon. Là, nous sommes à l'extérieur. Moi, pour rentrer à l'hôtel, c'est par là, l'hôtel Casablanca. Donc, hier, j'ai mangé ici en face. El Taj Halal, Taj Mahal, Taj Halal. Et ici, c'est Shawarma King. El Generalif. Le Generalif, quoi. Ben justement, c'est ce que j'ai visité toute la journée aujourd'hui, subhanallah. Et après, j'ai rencontré le monsieur. J'étais assise ici avec lui, nous avons mangé ici. Il lui avait mangé avec ses amis.
Fontaine comme toujours, hein. Alors les miroirs que l'on peut trouver. Ici le rideau à l'ancienne, à la marocaine. Alors ça, on voit partout au Maroc, à Fès. Avant, on mettait ça au sol et on mettait dessus des matelas et on dormait tous l'un à côté de l'autre. C'était chouette. Pilier avec ici aussi le tissu. Et oui, ça je n'avais pas vu. Un tapis d'Orient. Les dromadaires des chameaux. Il y a dessus. Donc on ne sait pas définir vu qu'il y a dessus. La lampe, magnifique. Et le toit. La lampe. Si vous avez la cuisine. Petite pâtisserie à la marocaine. Tout ce que j'ai vous ai filmé et tout ce qui se trouve là sur la carte, l'Alhambra. 3h14 du matin et j'ai du travail. J'ai du travail et je dois me réveiller entre 7h30 et 8h. Je pense que je vais me réveiller à 8h et que je dormirai à 4h. Comme ça, je pourrai dormir au moins 4h. Alors, demain, direction Solobrenia, donc la mer. Je suis vraiment fatiguée. Fatiguée. Ça se voit. Hein? Voilà. Je vous souhaite une douce et agréable nuit. Pour ceux qui ne comprennent pas, Leïla Saïda wa Ahlam Tayyiba. Ciao, ciao, illa liqa.